Bref. Bienvenue sur Rune of the Reckless. Donc c'était un roguelike action qui ressemble vaguement à du Isaac en un peu plus énergique. C'est sorti le 26 avril 2017 sur Steam au prix de 15 boules. Ça a l'air soigné, ça a l'air sympa. Je vous propose de découvrir avec moi. Oui, encore mon bureau. Oui, c'est de la merde. Ce stream, cette vidéo n'a absolument aucun sens. Allons-y! Alors, vous voyez, ça se joue à la manette ou au clavier. À mon avis, les deux sont assez compatibles. Il n'y a pas de souci. On peut jouer à deux. Je n'ai pas d'amis, donc on jouera tout seul. Et on peut changer le personnage en tout cas. Mais on va prendre le mec parce que la meuf, voilà, elle a d'autres occupations telles que laver des slips, par exemple. Il y a eu deux personnes qui ont joué en 3 jours, j'étais pas bien. J'ai fait un nouveau niveau Mario Maker, un speedrun Pac-Man. J'étais pas bien. Allez, on va commencer le jeu. Je vais vous expliquer un peu les bails. Alors, bah si, c'est le but du jeu est d'escalader une tour. Je ne connais pas les tenants ni les aboutissants de cette histoire. Mais sachez que... qu'en haut à gauche, vous pouvez admirer mes points de vie, qui sont les chiffres, 5 sur 5. Avec LT, on dash. Avec LB, on ne fait rien puisque je n'ai pas d'item. Avec RB, on donne une sorte de mini Hadoken. Et RT, c'est un pouvoir. On balance des bouboules, mais attention, c'est limité. Les bouboules qui traînent comme ça, ce sont des bonus. Mais attention, on peut les détruire. Donc, désordre total. Qu'est-ce que c'est cette histoire de... Les armes peuvent causer des explosions. D'accord, c'est bien ça. Peau dure, je vais devenir plus... Ah, mais il faut choisir, d'accord. Il faut choisir ses bonus. Tant pis. Oula. Allez, c'est parti. On va tabasser des mecs. Frère, il balance des boules de feu comme Son Goku, ce con. Allez, il y en a du plagiat sur ce genre de pratique. Parchemin à bombe. De gravité acquis. Ah oui, il s'est mis sur la touche B, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça, vous voyez. Ça attire tout ce qui est autour. Bon. Allez, on va avancer dans le niveau. Alors en fait, il faut vider les niveaux pour accéder au prochain jeu, d'après ce que j'ai compris. Oh putain. Alors vous voyez, c'est un peu plus péchu que Isaac dans le sens où il y a un peu plus d'ennemis à l'écran. Mais on reste quand même dans le même esprit. C'est-à-dire apprenage de pattern, dès qu'on meurt, on recommence le jeu. Je ne sais pas encore ce que l'on garde entre chaque run par contre. Oh putain, bâtard! Oh bâtard! Qu'est-ce qui se passe? Ah bah je suis mort! Alors que j'avais fini le niveau? Salut Gouffeuse, comment va? J'ai pas les yeux en face des trous. Tu rigoles ou quoi? J'ai toujours la pêche. Attends, je fais un petit reset de ma page là. Hop. Alors. Oh mon dieu. Alors par contre, ouais, ce pouvoir va falloir que je me calme parce que sinon je vais pas aller bien loin. En tout cas, le jeu est très joli. Le style est stylisé. Voilà. La base, ça va être d'utiliser le dash et l'attaque au corps à corps. Ah merde, vous voyez, j'ai pété un bonus sans faire exprès. Ah, on peut renvoyer la bouboule en tapant dedans avec le Hadoken. Ça, c'est intéressant. J'ai la clé. Ok. Salut Lunar, comment vas-tu? Alors une fois que j'ai fini le niveau, il m'indique la sortie. Ce qui est bien aimable.
Ouais, il me fait peur lui le mage là. Merde. Ah putain, il a pété mon bonus là. Vas-y, on change d'étage. Il y a l'air d'avoir quelques niveaux et une sorte de mid-boss représenté par une gonzesse avec une robe noire. Un peu bobo bidou. Est-ce que tu es obligé de parler comme un attardé de 3 ans et demi? Dis-le-moi. Putain! Affinité serviteur d'acier. D'accord, donc j'ai un pote pour m'aider. Oh mon dieu, mais comment je vais faire? Des ratons laveurs là, qu'est-ce qu'ils me font là? Ça va, ça va, ça va. Putain la vache! Alors, on rappelle que les roguelikes sont connus pour leur difficulté, d'où la mécanique de recommencer en boucle. Allez, on peut le faire. Vampirisme, ça m'intéresse. Les arbres peuvent rendre de la vie. Voilà, ça c'est intéressant. Voilà, à mon avis, le jeu est vraiment fait pour être joué pas comme un bourrin, mais un petit peu, tu vois. Voilà. Les X sont assez cool, ça va. C'est pas trop mon style, mais bien que j'aime bien le chiptune, mais c'est un peu entre deux, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Bâton de foudre. Merde, je peux pas en ramasser plus. Tant pis. Niveau terminé. Allez, on enchaîne la bordel. On va pas se faire niquer à chaque fois dès le premier level. Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Alors, le slash me est officiellement interdit sur ce chat. Un timeout de 10 minutes sera appliqué. Putain, j'oublie d'utiliser le dash. Et ça, c'est une erreur fatale là. Alors, moi, grimoire, épée de feu. Alors, c'est pour changer mon pouvoir là. Vous voyez, ça fait des épées à la con. Étrange. T'économiseras un Théo. Ah, on peut ouvrir le coffre. Ok, très bien. Bottes. Alors on peut changer nos bottes. Et ça fait quoi? Il faudra m'expliquer, mais bon. Ouh! Ça bouge bien en tout cas. Ah, agilité. Agilité, déplacement rapide. Ok. C'est un peu un jeu de bourrin, dites-moi. Oh mon dieu. Oh mon dieu! Oh putain! Bon bah au revoir, ouais je l'avais, je suis désolé. Hein. Je suis désolé mais tu fais des slash me. Hein. Réapprovisionnement. Oh putain, je récupère ma vie! Oh qu'est-ce que c'est bon ça! Oh putain! Allez on y va! Oh là, j'ai jamais été aussi loin de ma vie. Ah, on a une boutique entre deux apparemment. As des lames. Acheté. Alors j'ai combien de brousouf moi? Où est mon argent? Où est l'argent des abonnés? J'en ai 66 apparemment. Des Z, des Zendy, non? Comme par hasard. Esprit rapière. On va acheter l'esprit rapière, écoute. Ouais, l'esprit rapière, ça a l'air de déchirer. Par contre, j'ai plus de pognon. Les amateurs de roguelike vont kiffer, à mon avis, ce jeu. Oh putain.
Oh mon dieu, ça bourre, mais de ouf quoi. J'ai perdu qu'un point de vie. C'est un miracle. Oh putain. Ça va pas durer longtemps cette affaire. Ah, la rapière c'est pas mal, mais quand même il avance, c'est un peu dangereux. Oui, oui. Ah non, je peux pas. Putain, nique ta mère. Putain. C'est ça, non, je peux pas. Putain, les ratons laveurs, c'est des trucs c'est démoniaque en fait. C'est pas vraiment des ratons laveurs, je ne sais pas ce que c'est, des castors ou voilà. J'en ai marre de me réveiller malade. Mais il faut se soigner, il faut aller chez le médecin. Et si t'es pas content de ton médecin, et bah tu vas voir un autre médecin. Et après t'arrêtes de te plaindre. Comme un enfant de 12 ans. Comprends-tu? Il y a toujours une solution à un problème, mon petit. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne peux pas, j'ai ramassé trop de merde. Il faut vraiment bien choisir les bonus qu'on ramasse en tout cas. Lunar, il va me dire, il me fait chier ce connard. Et oui, mais c'est un vieux con qui parle. Les vieux cons, ils parlent comme ça. Mais je te juge pas, Wesh David, parce que je ne te parle même pas. Je ne t'adresse pas la parole, tu n'existes pas. Progressons dans la tour. Je fais ce que je veux. Ah ouais, d'accord, ok. Tu apportes de l'eau à mon moulin, j'ai l'impression, un petit peu quand même. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah mais ça devient sérieux tout de suite en fait. Ah, c'est un jeu de bourrin hein, en fait. En fait, à chaque étage. Oh, ils m'ont niqué mon bonus encore! Ils vont niquer mon bonus, c'est comme les ouvriers là, ils ouvrent leur gueule et du coup ils niquent le bonus des patrons, et voilà. On est dans le même état d'esprit ici. Oh mon dieu. Alors pour l'instant j'ai vu quoi, 3 sortes d'ennemis. Je joue tel un bourrin. Mais il va crever ta mère. Oh. Médaillon d'invincibilité, j'en ai pas besoin. Voyons. Oh putain, je suis en train de péter tous les trucs là. Non, 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 non. Le shoot and... De toute façon, les commandes sont automatiques maintenant, t'embête pas. Une heure, mais c'est gentil. Oh là 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 là, level up les gars. Oh oui, oui, oui. Par contre, il faut vraiment que je chope un bonus là. Oh, je les ai bien ken là. T'as des ratons laveurs de liste. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Merde, 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 merde. Toucher électrique à l'orage quand vous êtes blessé, d'accord. Ah, je le sens mal, les gars là. Vas-y, faut qu'on se casse, hein. Qu'un point de vie, ça fait chier là. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Un dinosaure gélifié. Ben oui, c'est ça. J'ai l'impression que ce sera notre dernier étage. Oh putain. Des nouveaux ennemis. Au revoir. On va utiliser tout ce qu'on a. Niquez vos mères. Je vous déteste. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi votre problème? J'utilise tout ce qui me reste. Je m'en fous. C'est quoi ça? Voilà, j'ai plus rien. Par contre, j'ai vraiment... J'ai plus rien, tellement plus rien que j'ai plus de vie, quoi. Oh mon dieu. Alors, j'ai la clé pour sortir. L'invincibilité, je sais pas trop comment elle marche.
C'est écrit, la touche c'est Trinket. Je sais pas ce qu'ils veulent dire par là, mais bon. Oh là, y'a trop de monde par là. Ah bah je suis baisé. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, ils tapent de loin en plus, eux. Les lapins démons, là. Les lapins punk, je sais pas ce que c'est, là. J'arrive pas bien à voir ce que c'est petit. En fait, c'est le bruit de nos lames l'une contre l'autre. D'accord. Salut, Jesse Bye. Comment vas-tu? Je veux aller plus loin. Non! Laisse-moi. Ah, quand on le reste trop longtemps à un étage, on commence à se prendre des boubous dans notre gueule. Oh les bâtards, il restait qu'un ennemi là, putain. On peut repartir du premier magasin? Ah, c'est intéressant. Et j'ai 200 brousouf. Il est pas mal ton site, merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Peut-être l'article de sort dans une heure. Oh, Night in the Wood. Ah, ok, ça marche. Ça roule. Vampirisme, on peut acheter des trucs. Et ça, c'est quoi? Ah, mais c'est 800. On a dit, c'est une amélioration définitive. Putain, mais j'ai pas assez de pognon, là. Vas-y, je vais racheter des boules de feu. Ça sert à rien, apparemment. Allez, c'est bien, on peut en continuer. À mon avis, ça sera notre dernier run. On va se réserver un peu plus de temps pour le dernier jeu qui est plus un jeu d'exploration-aventure. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais vu les images, ça avait l'air sympa. Alors ça c'est toucher électrique, c'est pas mal. Ce jeu est vraiment sympa, c'est vraiment un jeu sur lequel je pourrais revenir. Si j'avais pas un million de jeux à faire. Vous voyez le toucher électrique, putain la vache, c'est violent ouais. C'est violent. Gant super explosif. Ah c'est pas mal ça, j'ai une meilleure allonge. Salut Kaz, comment vas-tu? Je l'ai fini. Ah bah non, j'ai pas fini le niveau du tout. Kaz, est-ce qu'on peut dire que ça c'est le nouvel emote dans le vent? À la mode. Il y a le Carl Smile qui est quand même pas mal. Que tu n'utilises pas toi-même. Alors j'ai une charge rapide. Okay. De toute façon, dans un roguelike, il faut apprendre un peu tous les items, hein, voir leur utilité. Et voir selon votre style de jeu ce qui vous correspond le mieux en fait. Putain, mais les lapins pédophiles là, cassez-vous là. Salut les nazes. Putain, ça. Bon, je vais crever assez vite finalement. Bon, vous avez vu le délire. Ah, au fait, Lunar Risk of Rain 2 a été annoncé cette nuit. Oh mon dieu! Mon pouvoir m'a sauvé la vie. Mon pouvoir automatique m'a sauvé la life, quoi. Mais quel bordel! Et je suis censé faire comment là? J'ai même plus de pouvoir! Oh là 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 là. Alors ce qui est bien dans ce roguelike du coup, c'est qu'on n'est pas obligé de repartir dès le début du jeu.
On peut repartir à partir des magasins et il y a l'air d'en avoir régulièrement vu que c'est les icônes de Piouf là sur la map de la tour. Donc c'est à dire que tous les 3 niveaux on peut recommencer le jeu à ce niveau là tu vois. Après si t'as mal entamé ton run et que t'as choisi des pouvoirs de merde, il vaut mieux probablement recommencer vu que ça reste assez rapide. Pourquoi vous faites du H1 quand je peux pas venir? Bah c'est calculé hein, tu te doutes bien. Putain, le fait de pouvoir détruire les bonus, ça fait chier ça par contre. Donc voilà, c'était Rune of the Reckless, disponible à 15 balles sur Steam. Depuis quelques semaines, assez deux semaines je crois. C'est assez cool, je vous le recommande si vous aimez les roguelikes assez hard à la Isaac. Sauf que c'est un peu plus péchu. Voilà. Ah.